Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, en étant même sur ma map préférée. Je sais pas si vous connaissez cette map, mais en tout cas, elle est vraiment jolie, mais on n'est pas là pour parler de ça. Je suis là parce que j'ai enfin, mon Dofus Vulbis. Ah là là, mon plus gros projet de l'année, c'était ça, c'était d'avoir mon Dofus Vulbis. Donc, effectivement, je l'ai eu pour 500 millions, je l'ai acheté. Donc, merci à celui qui me l'a vendu, en tout cas, enfin, j'ai quelque chose de vraiment précieux. Donc, voilà l'échange, mais vous inquiétez pas, enfin, la personne reste privée, hein, pour éviter qu'on l'ennuie. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment du bien de l'avoir. Enfin, je peux finir tous mes builds avec tous les modes que je veux, que je souhaite. Je peux faire ce que je veux maintenant au niveau des panoplies, j'ai enfin mon Vulbis, je suis enfin... prêt pour le Ghoul Terminator, parce qu'il n'y avait que ça qui me manquait vraiment d'essentiel. Après, il manquait 2-3 petits exos à droite à gauche, mais c'est vraiment pas difficile à avoir. Donc voilà, je suis vraiment ravi. Donc il m'aura fallu vraiment beaucoup de temps pour l'avoir. Hein. C'est vrai que c'est un œuf assez gros, assez difficile. Il y en a qui parlent, enfin beaucoup parlent de l'objet le plus rare du jeu, le plus difficile à avoir. Je suis un petit peu d'accord, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il est moche lui ? Regardez-le là. Donc voilà, je suis vraiment content, je pense que vous l'entendez dans ma voix, mais c'est vrai que ça me fait un bien fou d'avoir enfin cet œuf avec moi. Alors je pense que je ferai la quête quand il sera possible de l'obtenir via une quête, donc je pense que je vous ferai une petite série là-dessus et avec grand plaisir. Et j'espère que vous suivrez ça aussi avec plaisir pour l'avoir. Il y en a qui suivent avec moi, donc c'est cool. Mais voilà, en tout cas, je peux enfin dire que j'ai fait quasiment tout d'important au niveau de mes builds. Je peux dire que je suis optimisé et prêt pour le Ghoul Tar. Voilà. Ça me fait un bien fou, vous pouvez pas savoir les amis. Et écoutez, on va se laisser là-dessus. C'était vraiment une vidéo parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont posé la question et vous avez été beaucoup à m'aider, à me soutenir, etc. pour vos messages, je suis vraiment content. Et bien, merci. Merci à vous tous, et puis merci d'être toujours aussi nombreux, plus de 35 000, j'ai vu ça, c'est impressionnant, merci de me faire vivre cette aventure, et puis on continue, ne vous inquiétez pas, l'aventure ne fait que commencer, vous et moi, c'est parti, avec mon Vulbis cette fois, donc les builds sur ma roublarde aussi, ce sera possible avec le Vulbis, donc j'ai hâte de vous montrer ça, et puis la semaine qui arrive, évidemment le tournoi des 10 ans, avec la présentation du serveur que je vais vous faire, et évidemment les matchs, les entraînements, tout ça, à très bientôt pour de nouvelles aventures, je vous aime et je vous dis bye bye, ciao ciao.